Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes le dimanche euh, 15 octobre 2023. Placide, c'est tout le militaire de la lutte avec nous. Il est notre invité ce matin. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour à nos compatriotes jeunes résistants Oasalendo et nos efforts de ceux qui se battent darrache pied afin que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Vous allez bien? Je me porte en tout cas à merveille. Quelles sont les nouvelles ce matin? Nous avons appris encore qu'il y a des masses. Disons, les brises avaient retour, ça chauffe. Effectivement, donc euh, d'abord sur le plan local, ici en pleine ville de Goma, il y a un calme qui est tellement relatif. Et à part ça, dans les pourtours de la ville, donc euh, dans le territoire des. De Ruchuru, comme venait de les souligner, il y a eu reprise des affrontements entre le jeune résistant Wazalendo et les rebelles de 23 qui ont eu à entamer les premières attaques en vue de pourchasser nos compatriotes résistants. Malheureusement, les jeunes résistants sont toujours éveillés et ils ne jurent qu'à la libération de la mère patrie, à la libération de leurs entités. Et elles ainsi que. Il y a eu reprise encore des affrontements et en tout cas ça a chauffé. Et dans tous les sens, ce sont juste nos jeunes résistants Oazalendo qui ont eu à infliger une lourde correction à de rebelles d'Ian 23. Et c'est ainsi qu'ils sont pris fiches. Donc il y a eu des bandades totales de la part de l'ennemi. L'ennemi qui s'est maintenant retiré en s'orientant précisément dans la cité de Kiwanja. Donc c'est à Kiwanja. Où les rebelles de M23 ont placé maintenant leur grande base. Et à part Kiwanja. Non, non. Kiwanja, la cité de Kiwanja. C'est l'une des cités aussi stratégiques. Des Ruchuru. Effectivement. C'est le centre apparemment des Ruchuru. C'est le centre des Ruchuru, oui, de Ruchuru. Donc. Oui, donc. Okay. Comprenez C'est tellement stratégique parce que. Mm -hmm. Pour quitter Goma et si vous, vous voulez vous orienter vers nyamilima il faut passer par Kiwanja. Pour quitter Goma en allant vers les grands noms, donc Beni, euh, Butembo, partout là-bas, il faut passer par Kiwanja. Pour quitter Goma et s'orienter dans l'Ouganda, vous pouvez passer par Kiwanja en s'orientant maintenant vers Bunagana. Donc Kiwanja, comprenez que c'est une cité tellement stratégique et c'est là où l'ennemi, les rebelles du 23 donc l'armée rwandaise, a, a érigé maintenant une grande base. Après les avoir délogés dans tous les territoires de Massissi, donc le territoire de Massissi pour le moment est sous contrôle total de nos jeunes résistants ouazalendo, donc du côté congolais. Et maintenant, il y a la conquête du territoire de Ruchuru. Et si je peux être très clair, juste pour signifier que l'ennemi se trouve présentement donc dans le Ruchuru, précisément dans la cité de Kiwanja. Et à Bounagana, mais aussi de Kiwanja à Bounagana, il y a un petit village qu'on appelle Burai. C'est là que les rebelles du 23 ont déjà réussi à ériger leur base en vue de constituer maintenant un bouclier. Donc c'est à ce niveau que nos jeunes résistants tentent maintenant comment les déloger et ainsi, dans quelques heures, nous puissions chanter l'hymne de la victoire. Alors. Ce que nous sommes en train de décrier, c'est le fait que les contingents de l'EAC, Kenya, Ougandais et Sud-Soudanais, continuent à jouer à l'hypocrisie en protégeant bien sûr l'armée rwandaise et en leur permettant de se réorganiser. Donc on peut dire que c'est l'EAC, les contingents Kenya, Ougandais et Sud-Soudanais, ce sont eux maintenant qui sont comme des boucliers de rebelles DM23. Alors, pour ça, nous sommes en train de les mettre en garde en leur disant de ne pas jouer à l'hypocrisie et si du moins, ils parvenaient à s'entêter, en tout cas, nos jeunes résidents wazalendo n'hésiteront pas à ouvrir les feux sur eux, envie de reconquérir toute la province du Nord Kivu. Donc, c'est à ce niveau où nous sommes en train de tirer en tout cas les oreilles des dirigeants de l'EAC et de jouer en tout cas à leur juste mission. Donc, ils doivent être une église au milieu du village, non pas se pencher du côté de l'ennemi. Et la tendance que nous sommes en train d'observer est que l'EAC continue à faire en tout cas une parfaite collaboration avec l'armée rwandaise. Et c'est là où tous seront confondus comme nos agresseurs, comme nos ennemis. Et pour ça, il faudrait que l'on puisse maintenant ouvrir sur eux tous confondus. Les faits. On doit ouvrir les faits sur eux. Voilà. Et, et c'est jusqu'où C'est jusqu'où ces affrontements Est-ce est, est Est que c'est jusqu'à Abunagana qu'on va se les... Non, non. c'est jusqu'à Bunagana. C'est jusqu'à Bunagana Parce qu'on doit reconquérir tous nos territoires. Nous devons en tout cas être dans le contrôle de toutes les tendies de la province du Nord-Kivu. Donc il n'y aura aucun centimètre qui sera accordé à nos agresseurs. Et puis, c'est pas quelque chose de négociable. Oui, la souveraineté et l'intégrité du territoire national n'est pas à négocier. Nous n'allons pas demander une quelconque autorisation ni à l'EAC, ni aux États-Unis, ni à la MONISCO, ni la... à l'Union européenne. Mais oui, il faut voir, toutes ces communications ne proviennent que lorsque le jeune résistant Ouazalendo corrige et neutralise sévèrement l'armée rwandaise. Mais lorsque les rebelles du M23 étaient en train de progresser, étaient en train de reconquérir euh, clandestinement nos entités en débordant dans les Massissi, dans les Niragongo, il n'y a eu aucune communication de l'ambassade américaine il n'y a eu aucune communication de la MONUSCO, la dame là-bas, la bête noire, la Bintou Keïta, la, le monsieur là, le facilitateur, l'ancien président kenyan, Uru Kenyatta, il était aussi silencié dans sa zone de confort quand les rebelles du M23 étaient en train de reconquérir clandestinement, en viola bien sûr, les cessez les faits. Il y avait, en tout cas, un silence absolu. Mais lorsque... Ce sont nos jeunes résistants Ouazalendo qui infligent sévèrement une lourde correction à l'armée rwandaise. Là, toutes les voix se sont levées. C'est ainsi que nous avons compris directement, effectivement, que ces gens constituent un seul bloc de complotistes contre la République démocratique du Congo. Et pour ça, nous n'allons attendre aucune autorisation. Ni de la MONUSCO, comme j'étais en train de le dire, ni des États-Unis ni de l'Union européenne et même de ses facilitateurs farceurs, M. Ouro Kenyatta. La souveraineté et l'intégrité de la RDC n'est pas négociable. C'est pourquoi, dans quelques heures, nous allons déloger les rebelles du M23, l'armée rwandaise, partout où ils se trouvent. Et il ne nous reste que, comme je l'ai dit, trois entités. Donc, la cité de Kiwanja, le village de Burai et la cité transfrontalière de Bunagana. Ce sont là les trois entités où nous devons déloger les rebelles dièves 23, sans oublier aussi les rebelles dièves 23 qui sont ici à Kibumba, dans le territoire de Niragongo, bien sûr, sous la protection des contingents de l'EAC, Kenya et Ougandais. Qui sont, parce que dans les... il faut préciser il y a trois pays qui sont là, donc trois armées euh, de, de, de l'EAC, notamment les, les Kenyans qui sont dans les Rutshuru les Ougandais sont là et les sites soudanais. Et vous dites tout de suite, là, là où ça cause problème, là où il y a un obstacle, c'est dans les Kiwanja. Kiwanja qui est l'une des cités aussi stratégiques des Rutshuru parce qu'après Monagana, Gana, Kichanga, voilà, c'est le centre des Rutshuru quelle force qui est là Quel pays qui est dans les Entre l'Ouganda, e le Kenya et les sud soudanais Écoutez, messieurs les journalistes, pour nous, tous ces trois pays que vous venez d'énumérer, ce sont des pays, je dirais, qui sont confondus. Partant de leur mission, parce qu'on comprend vite que ces trois pays. Possèdent le même objectif, de pouvoir nous imposer leur plan, de pouvoir dialoguer avec l'armée rwandaise. Pourtant, ça ne sera pas possible. Et lorsque vous êtes trois pays, mais avec un même objectif, comprenez, vous serez toujours assimilés à un seul pays. C'est pourquoi, pour nous, nous n'allons pas distinguer les Kenyans, nous n'allons pas distinguer les Ougandais, nous n'allons pas distinguer les sites soudanais. Donc, tous ces trois pays, confondus encore, Complotent contre la nation congolaise et pour ça, on n'aura pas pitié. Donc, allez-y comprendre, je précise encore, là, nous sommes heurtés à une difficulté liée à l'hypocrisie de l'armée kenyane, à l'hypocrisie des contingents soudanais et à la malignité des contingents sud-soudanais qui viennent sous couvert de l'EAC. Pour votre information, hier, nos concitoyens, ce qu'on là dans les Routchourou, nous ont alertés sur l'entrée de 10 camions. Oui, sur lesquelles, dans lesquels on y retrouvait des contingents ougandais qui entraient effectivement sur les sols congolais. Et maintenant, on se demande est-ce que leur entrée est signalée et reconnue par le gouvernement congolais lorsqu'ils entrent clandestinement aux environs de 18 heures Allez-y comprendre, il y a lieu de dire que le gouvernement congolais n'est pas informé de ces entrées clandestines. Normalement, à leurs entrées, on devait compter aussi leurs effectifs. On devait compter aussi leurs effectifs. On devait euh, signaler les munitions qui viennent d'entrer sur le sol congolais. Et maintenant, lorsqu'ils commencent à faire leurs entrées clandestinement la nuit, allez-y comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a nuit sous roche par rapport à leur mission. Et pour ça, nous leur disons, peu importe leur union, peu importe leur solidarité, ils n'auront pas à faire face à la détermination de la population congolaise qui est longtemps meurtrie. Une population qui est à mesure, maintenant, de prendre ses responsabilités à main, envie de faire entendre sa voix. Et comme le disait le fait euro-national de la RDC, Emery Patrice Lumumba, l'histoire de la RDC, sera écrite par les peuples congolais eux-mêmes. Et c'est maintenant ou jamais. Nous sommes en train maintenant de vivre cette prophétie. Et nous y sommes dans quelques heures, ne vous en faites pas, messieurs les journalistes et tous nos compatriotes congolais qui nous suivent, dans quelques heures, nous allons chanter l'hymne de la victoire. Ça, les FRDC. Non, ce qu'il faut comprendre, que ce soit les FARDC, que ce soit nos jeunes résistants Ouazalendo, c'est une émanation de la population congolaise. L'armée est républicaine, nos jeunes résident à Ce Écoutez, c'est la population. Non, je là. vous allez chanter bientôt la gloire. Mais oui. Ça, les Comment ah, Tu, tu pas peux pas. C'est impossible de dissocier les FRDC et la population. C'est impossible de là, dissocier. Est-ce que les FRDC. sont dans cette guerre Les mm -hmm. Jusqu'à présent, les FRDC ne sont pas dans cette guerre mm -hmm. parce que oui, notre force loyaliste s'inscrit dans la logique scrupuleuse de suivre euh, le cessez les faits comme ça a été euh, la mesure prise par les dirigeants et les responsables de l'EAC. Oui, lors de la dernière rencontre à Bujumbura, à la capitale burundaise. Euh, malheureusement, du côté rwandais, ce gens n'observent pas scrupuleusement les cesser les filles. Et c'est pourquoi nos jeunes résistants à nous comme population, nous nous sommes dit, Niette, on ne peut pas quand même être d'IP jusqu'à ce niveau. Il faudrait faire bloc, il faudrait faire échec à la progression de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Pour dire quoi Du côté Mais FRDC, le les FRDC là. ne là. sont pas impliqués dans cette guerre. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, nos FARDC attendent certainement les instructions de la haute hiérarchie de la RDC. Maintenant, comme la population doit jouir de sa totale souveraineté, parce que notre constitution nous reconnaît comme étant les souverains primaires, et pour ça, il y a l'article 63 qui nous donne encore ce pouvoir de faire échec à une agression étrangères, allez-y comprendre, nos jeunes résistants Ouazaleno ont jugé mieux de prendre les armes aux côtés, bien sûr, de nos efforts de envie de les venir en aide, et sans pour autant euh, attendre une quelconque autorisation de qui que ce soit, parce que la population reste les souverains primaires. C'est pourquoi nous avons pris les armes pour combattre l'ennemi qui tente de duper toute une nation. Voilà. Et puis vous allez chanter la gloire à l'armée congolaise. Écoutez, l'armée congolaise, c'est une émanation de la population. Lorsque nous allons chanter la victoire, indirectement, l'armée congolaise sera aussi dans aussi la festivité. Hum? Mais qu'est-ce que vous voulez, messieurs les journalistes Lorsque la population euh, essaye de se désolidariser, des plans machiavéliques que nous impose la communauté internationale au travers de toutes ces organisations de l'EAC et consorts, MONISCO, en faisant un bloc contre l'armée rwandaise qui se déguise bien sûr en M23, et que nous parvenions à les vaincre correctement, mais il y a de quoi s'en jaillir, c'est tout à fait normal. Nos efforts d'essai... Tellement que c'est une émanation de la population. Et il y a toujours une parfaite, parfaite harmonie entre nos efforts d'essai et la population. C'est-à-dire, lorsque la population est en train de festoyer, automatiquement, son armée aussi doit festoyer. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas une armée sans la population. Et comme nos efforts d'essai avaient géré de défendre de, de l'intégrité du territoire national, allez-y comprendre. Dans cette festivité, les effarés s'y retrouvent aussi. D'accord. Alors, Placide, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes les dimanches. Vous nous suivez sur Congo Live. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Alors, euh, on, on, on peut-être, on y reviendra prochainement, mais on, on voudrait savoir, c'est une question vraiment pertinente. Il y a des images qu'on a déjà balancées. Nous étions dans les on hier, dans les Kichang, tout ça. On voit des images, les jeunes qui sont vraiment déterminés, au moins presque jeunes dans les massifs son âme. D'où viennent toutes ces armes <laughs> Monsieur le journaliste, merci d'abord pour cette question. Mais c'est qu'il faut comprendre, lorsque une population est déterminée à se libérer, elle est à mesure de faire tout ce qui est à son pouvoir, envie de faire entendre sa voix, envie de jouer à sa légitime défense. Et c'est ce dont nous sommes en train de vivre actuellement. Donc c'est cette rage d'en finir une fois pour toutes avec des agressions récurrentes de l'armée rwandaise qui change de forme, qui change d'appellation du jour au lendemain. C'est cette motivation patriotique qui anime nos jeunes résistants. Pour ne plus revivre des scénarios des actions, des massacres et des violences récurrentes chez nous au Nord Kivu. Et maintenant, d'où proviennent ces armes C'est ça votre préoccupation. Mais depuis tout ce temps, lorsqu'on déloge les rebelles du M23, lorsqu'on inflige une correction sévère en les neutralisant comme pas possible, ces gens, en tout cas, sont toujours en débandade. Certains parmi eux, bien sûr les récalcitrants, ont eu cette chance de prendre fuite en abandonnant toutes leurs munitions. Et ainsi, nos jeunes résistants Oazalendo s'en en procurent. C'est là où nous en sommes, donc nos jeunes résistants et tous ceux qui les soutiennent d'une manière directe, la population bien sûr, comprenez. Ne s'approvisionnent qu'à partir des 16 23 qui prennent fuite, qui abandonnent munitions et armes partout où nous les infligeons une lourde correction. Donc, c'est dans ce contexte-là. Il y a même des images où on voit les jeunes, les jeunes résistants en train de récupérer les munitions abandonnées par l'ennemi. Au niveau des, 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 des Bouisa. Comprenez, là, on a récupéré, je dirais, euh, un arsenal de munitions des mains de nos rebelles, des, des mains de, 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 nos, oui, de nos terroristes euh, rwandais M23. Nos compatriotes congolais, c'est comme cela comment ils s'approvisionnent en, en munitions, en armes, lorsqu'ils sont en train de combattre contre les rwandais de M. Paul Kagame. Donc c'est juste ça. C'est pas de la magie. Mm -hmm. Donc, euh, toutes ces armes, vous les récupérez lorsque vous chassez l'M23. Effectivement. Et ça se voit. Un message à tes collègues mm -hmm. À nos collègues ouazalendo, mm -hmm. de fort. Nous, comme population, nous sommes leur base arrière. Mm -hmm. Et nous continuerons à manifester ce soutien indéfectible. Envie de chanter l'hymne de la victoire dans des jours qui viennent et se dissiper. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Numéro de téléphone. Nous sommes au plus 243 81 44 31 276. D'accord, merci. Ingeta. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye bye.